Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour vous faire un petit moment avec moi, donc je vous explique un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Coucou Manon. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire une balade avec Falbala, Adar et Prince. Donc vous avez jamais vu Adar en balade, mais vous allez le voir aujourd'hui. Et pourquoi je vous fais des vidéos là? Parce que j'ai eu le téléphone à ma soeur, parce que le mien il est mort. Et vous avez vu la différence de qualité. Et aussi je voulais vous dire entre parenthèses, Manon en fait, là, la petite là, elle va avoir un poney vendredi. Elle va le chercher vendredi, elle a été voir il y a une semaine. Et en fait, il va vivre avec les miens. Donc du coup il y aura trois poneys. Mais bien sûr c'est son sien. Et elle aura une chaîne YouTube, donc je vous en reparlerai quand elle aura tout fait. Parce que là, pour l'instant elle a pas fini de monter sa vidéo. Elle a pas fini de la tourner. Donc voilà, donc au niveau de moi, les poneys vont bien, mais je vais vous montrer tout ça. Et let's go! Du coup, là, on attend Antoine. Et je voulais vous dire aussi qu'au salon du cheval, je serai présente. Donc je ferai peut-être un vlog. Et si je ferai pas de meet-up, parce que j'ai pas assez d'abonnés pour faire de meet-up. Mais vous pourrez me rencontrer, je sais pas où, faut voir. En fait, faut me donner de vos numéros, celles qui y vont. Bien sûr, me les donnez pas sur YouTube, mais donnez-les moi en privé. Donc vous me direz, donc normalement j'y vais le premier week-end du salon, donc vous me redirez, enfin je vous redirai des infos dans une prochaine vidéo. En fait je vous ai dit que j'ai créé une petite pâture ici, mais en fait les poneys vivent ici. Et en fait le but c'était que de temps en temps je les ouvre, mais sauf qu'ils ont réussi à ouvrir tout seul. Du coup bah les poneys sont fait tac, ils ont fait tac et ils sont arrivés là. Et la poule aussi. Coucou monde. Et du coup Adar il a plein de boules comme ça là. Oh, oh mon pauvre bébé. On a un peu. Ouais, je vais les montrer. C'est un petit. Dites-moi si ça vous plairait un petit céleri tour. Donc, aussi, on déjeune à la fin de mon cas, c'est un peu le bordel. C'est toute notre vie. Parce qu'en fait, on mange souvent ici. Même tout le temps. Hier, on a fêté l'anniversaire à Antoine. Du coup, on refait l'anniversaire à Antoine. Voilà. Je vais bouger. Ah, c'est trop chou. Donc, là, on rentre les bébés pour aller les rentrer. Donc la balade dernière, moi j'avais pris Falbala et là Manon du coup bah, on a échangé. Mais sur le chemin on échangera un peu parce que c'est une grande balade aujourd'hui. C'est sa première grande balade, mon dieu. Je sais pas si vous avez vu son nouveau licol en cuir avec Falbala, vous l'avez vu. Voilà. Réussi à enlever toutes les boules qu'il avait dans son toupet. On est parti. Donc tout le monde, donc coucou tout le monde, excusez-moi. Donc on vient de finir la balade, non on n'a pas fini la balade, mais on a galopé dans un chemin. Alors j'ai pas pu vous filmer parce que déjà au trot je vous ai filmé un peu, je sais pas si vous avez vu. Mais au galop ça va être impossible, on va réessayer de galoper. Mais c'est vraiment difficile parce que les poneys ils bougent beaucoup et Adar comme il est un peu chaud au galop pour filmer c'est très compliqué. Donc si jamais on retourne un chemin je prendrai Falbala comme ça je pourrais filmer les autres galops. Faut que je rachète un... Prenez pour mieux vous filmer le galop comme je vous avais dit. Allez mon lunette. Si vous savez qu'avec Blabla j'ai commencé les balades en liberté. Non je pense que pas que vous le savez. Oh bon. Viens.
Allez, va, Néné. Arrête de t'évader. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi j'ai tourné un cœur incroyable à la faire, la balade était juste au top, on a galopé, on a été tellement bien à l'air et tout ça. Je vais vous faire le montage, bah là je vous la publierai ce soir je pense, je l'enverrai bien. Sinon vous l'aurez dans la semaine, enfin vous l'aurez le jour, enfin maintenant quoi pour vous. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bisous.